commune d'Andernos se mobilisait dimanche sur le port ostréicole pour la grande journée du Téléthon. Et malgré le froid, ils étaient nombreux à avoir répondu présents pour soutenir cette belle cause. Bonjour, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle édition un petit peu pour nous. C'est vrai qu'on fait toujours maintenant, on a l'habitude de faire le Téléthon le lendemain de Cabane en Fête pour pouvoir bénéficier des structures de Cabane en Fête. Alors c'est vrai qu'on est, complètement hors date officielle du Téléthon. Mais bon, voilà, comme nous on bénéficiait de ces structures, on voulait absolument le faire aujourd'hui. Alors il fait un peu froid, les gens se déplacent quand même. Je tenais quand même vraiment à remercier toutes les associations qui sont présentes avec ce froid. D'être présente parce que c'est pas évident. Donc il y a des démonstrations de claquettes, il y a de la country, il y a la gymnastique volontaire qui nous a fait de très bons repas à midi. Donc voilà, c'est une ambiance vraiment très conviviale et j'espère qu'il y aura encore un petit peu de monde jusqu'à 18h parce que c'est vrai qu'avec le froid qu'il fait, c'est difficile de faire sortir les gens. Tout à fait. Nous sommes la gymnastique volontaire d'Andernos-les-Bains et nous participons comme tous les ans au Téléthon. Alors nous avons plusieurs activités et le Téléthon existe depuis une trentaine d'années et avec beaucoup d'adhérents puisque cette année nous avons 400 personnes. Donc c'est important, c'est monté tout doucement mais voilà. Et nous avons des adhérents qui sont très sympas. Et qui travaille vraiment, c'est plutôt une association familiale qu'un club. Et beaucoup de personnes participent, nous avons beaucoup de bénévoles. Et c'est pour ça que nous arrivons à faire ce que nous faisons. Ah bien oui, bah écoutez, venez nous retrouver. Vous allez voir que l'association de gymnastique volontaire à Andernos, c'est très sympa. Et nous serons heureux de vous recevoir. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Herbert, animateur au Savate Nord-Bassin, association de boxe française à Andernos. C'est une association où nous pratiquons la savate boxe française, également la savate forme qui est de la cardio-box. Vous pourrez voir tout à l'heure les filles sur scène faire une belle démonstration. Alors c'est la deuxième année que nous participons au Téléthon, ça nous tient à cœur d'être sur les animations de la ville et puis de sensibiliser sur le Téléthon, effectivement. Ouais. Alors bonjour à tous, nous sommes le club de gym andernosien, le CADG, et nous participons pour la seconde année au Téléthon. Donc nous avons préparé un petit parcours et chaque personne peut, enfin chaque enfant surtout peut essayer la gymnastique sur le parcours. Pourquoi nous participons au Téléthon ? Ben pour déjà une chose, je travaille dans le milieu associatif et du milieu du handicap, donc ça me tenait à cœur. Et lorsque la mairie nous a invités aux réunions, on a décidé de participer activement au Téléthon depuis maintenant notre deuxième année. Nous continuerons, je pense, les années suivantes et puis peut-être en développant d'autres activités, notamment la gym acrobatique qui est en prévision pour l'année prochaine. Et je tenais aussi à remercier notre équipe de bénévoles et de salariés qui ont pris sur leur temps libre aujourd'hui pour participer au Téléthon. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt, j'espère.